Ravi de vous retrouver pour ce dernier volet de la trilogie consacrée à cet accident de voiture de Pierre Palmade. Après l'accident lui-même, après la personnalité qui le protège, qu'est-ce qui se passe dans sa maison Qu'est-ce qu'ont pu trouver les enquêteurs Alors je vous redonne un petit peu la vidéo. Qu'est-ce qui a pu se passer ou son passé, Vous voyez, c'est l'idée de savoir ce qui se passe sous cette maison. Alors, outre la consommation de drogue, hein, bien sûr, outre ce qu'on sait, qu'est-ce qui a pu se cacher au sein de cette maison Et puis, c'est vrai, il y a une chose que je n'ai pas abordée, je viens de m'en souvenir, je vous avais dit que j'aborderais qui sont les deux personnes qui se sont enfuies. Y avait-il une troisième personne je vais voir si ça apparaît là et si ça n'apparaît pas, je le traiterai dans une vidéo prochaine. Regardons déjà après l'accident. Parce qu'il faut se mettre après l'accident. Nous avons ici l'accident qui est symbolisé. Après l'accident, que s'est-il passé dans la maison de Palmade Beaucoup de choses visiblement. Beaucoup de choses. Alors je vais retirer tout de suite les runes qui sont non interprétables. Je vais soulever délicatement celle-ci, n'est pas dans le bon sens. Voilà, nous avons ici qui est vraiment pile au centre. Et puis il y en a une que vous ne voyez pas qui est tombée hors écran. Je vous la remontre, mais on saura qu'elle est ici. Voilà, je m'arrange pour que visuellement vous arriviez à tous les voir, toutes les voir en tout cas. Et puis on va regarder. On va regarder l'interprétation et on va commencer tout de suite, tout de suite par la première rune que vous voyez ici et que je vous montre. Je vais juste tirer un rideau pour qu'il y ait un petit peu moins de lumière. Voilà, c'est merveilleux le bouton pause, hein. ça permet d'aller se lever et d'aller tirer les rideaux. J'espère que c'est plus confortable visuellement pour vous. Alors regardons, regardons l'interprétation à présent. Alors avec cette rune qui est kénaz, kénaz elle symbolise le feu. Et dans cette position, puisque rappelez-vous, la question c'est de savoir ce qui s'est passé sous, le, sous la maison de palmade après l'accident, on sent qu'il y a le feu. Ça ne brûle pas, attention on n'est pas en train de faire brûler la maison, mais il y a le feu, il y a des choses à bouger. Il y a des choses à bouger, il y a des choses à, à modifier. Et puis il y a une forme d'idée de purification par le feu. Alors bien sûr c'est imagé, il ne s'agit pas de brûler tout, mais quand on dit purification et qu'il y a le feu, il va falloir se dépêcher pour être clair à faire un nettoyage. On sent qu'il y a des choses à cacher pour être clair. Alors ensuite nous avons Manas, Manas qui est juste ici. Alors Manas c'est intéressant parce qu'elle indique plusieurs choses. Déjà, une petite réflexion, nous avons ici, comme je vous ai dit, cette lune qui nous indique qu'il va falloir faire le ménage et qu'il va falloir se dépêcher. Mais ça veut dire aussi que quelque part, dans la logique, qui a dit qu'il fallait nettoyer la maison Il faut bien que quelqu'un dise qu'il faut le faire. Vous voyez Et ça ne s'est pas fait tout seul. Et puis si ces deux personnes, je me faisais une réflexion, si ces deux personnes je reste à la thèse officielle, qu'il n'y en avait que deux, ont pu être identifiés, c'est parce que leur téléphone a borné. Ce qui veut dire qu'ils ont appelé quelqu'un en sortant de la voiture. Ils s'enfuient, ils appellent forcément quelqu'un puisqu'on les repère à ce moment-là. Je vous rappelle que c'est leur téléphone qui a borné. Mais qui ont-ils appelé Alors, quand je retrouve cette, cette rune, Manase, Manas, elle est aussi en lien avec euh, Mdal qui contrôle le bifrost. Bien sûr, c'est la mythologie nordique. Ça ne dit pas qu'on a appelé au sens euh, littéral Emdal, ça n'existe pas. C'est de la mythologie. Mais voyez que dans la symbolique, il y a un coup de fil qui se passe à cette femme qui protège. C'est le premier réflexe. On appelle... Euh, on appelle le lien qui peut protéger. Ce qui donc sous-entend aussi que quelque part, dans les protagonistes qui sont soit dans la maison de, de Palmade, soit dans la voiture, des personnes qui connaissent la femme qui protège, cette mimi. Il y a donc bien quelque chose... Euh, où on sait qu'on a mal fait, où on sait qu'on va se faire, euh, qu'on va avoir des emmerdements pour être clair, et qu'il faut tout de suite activer les protections. Et vous voyez, je vous en parlais juste avant, avec ce Willow, c'est bien sûr, cette protectrice n'est pas là, n'est pas présente sur place, mais c'est tout de suite elle qui prend les décisions d'agir. Elle est mise au courant, elle prend les initiatives pour pouvoir, on va dire, étouffer, en tout cas jeter un voile afin que cette affaire ne soit pas trop ébruitée. Ça lui échappe, c'est vrai. Mais quelque part, elle prépare déjà les contrefeux. Et c'est ce qui aussi perçoit avec Isa. Les contrefeux sont allumés et il y a une forme d'essayer de minimiser les choses. Tout ne se dit pas. On essaie de rester sur quelque chose euh, qui reste vague. On ne donne pas tous les tenants et les aboutissants. Et surtout, regardez, Isa, c'est aussi une forme d'isolement. On sent bien que, quelque part, on essaie de dire aux autres qu'il ne faut pas dire qu'ils étaient là. Pourtant, des témoins ont dit qu'il y avait des personnes qui s'étaient enfuies. Mais voyez, on essaie de se dire... On minimise les choses au maximum au niveau des personnes. Et c'est vrai que dans une affaire comme celle-ci, euh, moins il y a de gens qui parlent, moins il y a de risques que ça s'emballe et que ça aille plus loin. Ce qui sous-entend encore une fois qu'il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des choses qui vont au-delà de ce qui se passe avec l'accident. Mais vous voyez... Avec nous disent qui est ici, dans cette continuité, malgré tout ce qui se trame ici, dont on a parlé juste avant, il y a des obstacles. Et les obstacles, eh c'est ce qui fuite. C'est ce qui fuite sur les réseaux sociaux. Et donc, on n'arrive pas à tenir euh, tout cela sous contrôle. Il y a une forme sur ce qu'essaie de faire cette femme d'impuissance. Elle a le contrôle sur une partie, mais il y a des choses où elle n'arrive pas à contrôler. Et si finalement on peut se dire que s'il n'y avait pas eu quelques témoins, en tout cas des, des vidéos prises et qui ont fuité sur Twitter ou, ou autres réseaux sociaux, eh bien toute cette affaire-là aurait été totalement passée sous silence. Heureusement les réseaux sociaux ont été là à ce moment-là. Et quelque part, c'est une forme de perte de contrôle totale sur la situation, tout du moins pendant l'espace d'un moment. Elle y avait pensé d'ailleurs, rappelez-vous, je vous ai dit, elle pense déjà à des contrefeux. Cette personne qui va, donc cette fameuse Mimi, euh, pense déjà au contrefeu qu'il va falloir allumer pour que justement ça ne s'emballe pas. Pour autant, il y a des choses qui ont échappé. Tout ce que l'on sait. Mais vous voyez, nous avons ensuite la rude Evaz. Elle symbolise dans sa forme le départ, le mouvement, l'instabilité, l'hésitation. Ce sont les mots qui la caractérisent. On peut y voir que finalement, quand ça se sait, quand ça se sait, non, pas dans ce sens-là, pas que ça, quand ça se sait au niveau du public, non, quand ça se sait sous la maison, c'est-à-dire que les gens qui étaient là préviennent, préviennent les gens qui sont dans la maison. Les gens de la maison préviennent aussi Mimi. Il y a des obstacles. Les obstacles sont les gens qui voient. Ça fuite sur les réseaux. Ça va fuiter, on le sent. Il y a quelqu'un dans la maison qui doit partir au plus vite. Quelqu'un qui n'a pas intérêt à être mêlé à cette affaire. Quelqu'un qui, euh, qui hésite. Mais c'est presque comme, comme une fuite. Il ne faut pas que la personne reste là. Voilà ce qu'elle souhaite nous dire cette rune. Nous avons à présent Raido. Raido confirme que cette personne s'enfuit des lieux, de la maison où il était. Cette personne est une personne de pouvoir. Disons-le clairement, pour moi c'est un politique. Il y a un politique qui s'enfuit de cette maison, qui était présent dans la maison. Elle cherche aussi une situation de... Elle prévient un ministère. Elle prévient un ministère. L'intérieur, la justice, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est en tout cas le sens de Raido. Nous avons ici à l'extérieur l'idée que, avec Wunju, puisque c'est cette rune, hein, euh, c'est que la personne qui est là qui communique avec le, le ministère de la Justice ou de l'Intérieur, en tout cas un, un ministère important. Avec Wunjo, la personne prévient aussi un cercle, un réseau. Il y a beaucoup de ramifications. Je vous avoue qu'il y a énormément de ramifications dans cette affaire et que ça va bien plus loin que ce que l'on nous laisse penser. Car oui, nous avons un homme politique, il s'enfuit. Il est prévenu, il est prévenu de l'accident. Il sait qu'avec l'accident... Et il sait aussi que cette fameuse Mimi, il comprend qu'il faut, qu faut se sauver de là, que ça va aller plus loin et que sa présence ne doit être surtout pas euh, mise en évidence. Il prévient pour se faire, pour moi c'est le ministère de la justice, voire celui de, de l'intérieur, et il prévient son cercle euh, de réseau, son, son réseau de, euh, de ce, je ne sais pas, de fraternité, de soirée, appelons ça comme ça. Je ne sais pas quel nom lui donner. Et avec maintenant, Hiéra, vous voyez ce, cette forme-là hein, de comment je dirais deux morceaux de angle droit qui s'imbriquent, avec Iera, on a l'idée que ça va fonctionner. Il va être mis à l'abri, ou plutôt, sa présence va être complètement dissimulée. Il pense avoir réussi. Il en est presque certain. Mais en tout cas, sa présence réussit à être dissimulée à la presse, aux enquêteurs. Ici, avec Féu et Anzouz, que vous voyez là, je vais vous montrer ces deux, ces deux runes, Féu et Anzouz, eh bien, ça symbolise que c'est quelqu'un de, de puissant, qui permet de retrouver un petit peu une forme de stabilisé une forme de stabilité pardon il y a une intervention assez forte pour calmer tout ça qui est en lien avec le fait que la présence de, cette, de cet homme politique soit étouffée ce n'est pas qu'un lien de réseau ici ce n'est pas en lien avec avec Mimi c'est vraiment en lien avec le politique c'est un groupe politique un ministre important qui arrive, peut-être même au-delà d'un ministre, qui arrive à ce que les choses se calment. On donne des ordres pour finalement euh, étouffer la présence de cet homme. On ne va pas plus loin, c'est vrai. Le reste, on le laisse ici. Regardez, là encore, c'est intéressant. On a cette partie-là qui est gérée par Mimi comme je l'ai dit, et vous avez cette partie-là qui est gérée par, par quelqu'un d'autre de puissant au niveau politique, ce qui permet de garder un équilibre, un axe. Et vous voyez ici avec Ourouz et Gebo, je vous les montre de près, voici Ourouz et Gebo, on a l'idée que quelque part, il y a déjà une trame qui se met en route. On est en train d'essayer de monter une affaire. On est en train d'essayer en tout cas de monter une histoire, pas une affaire. Une histoire, une histoire qui viendrait tout expliquer. Et une histoire, presque on est en train de monter un alibi pour ce ministre, pour le dédouaner d'être sur place le soir-là. Et puis une autre affaire se monte. On a l'idée que quelque part, le contrefeu part déjà on essaie de prendre contact avec des gens qui vont dédramatiser la situation, qui vont essayer, euh, non pas d'étouffer, mais qui vont essayer de jeter ce... qui vont essayer de dédiaboliser ce qui se passe, de minimiser les choses. Et Othalaz finit par renforcer cette idée. Cette idée où, en fait, compte... Pour moi, d'autres politiques sont au courant de ce qui se passe. Mais on se serre les coudes. On ne laisse rien transparaître. Et on ne va pas laisser fuiter qu'un ministre était à l'endroit où il ne devait pas être. Et qu'il ne devait surtout pas être mêlé à ce qui se passe sous cette maison. Enfin, la dernière rune qui est là, c'est Evaz. Dans cette position, et par rapport à la question et la situation, il semble qu'il va avoir des renversements de situation. Alors bien sûr, regardez, la position, nous avons bien avancé, ce n'est pas tout de suite. Mais cette idée du ministre qui s'est barré, qui n'a rien dit, ça va finir par se renverser, ça va finir par se savoir. Il y a quelque part une notion aussi assez grave sur tout cela pour moi ce ministre qui est là va être démissionné de sa fonction il y a quelque chose il y une situation qui va être complètement instable par rapport à cette situation mais ce n'est pas pour tout de suite il va falloir encore attendre malheureusement un petit peu pour savoir donc si je dois résumer le tirage par rapport à ce qui se passe sous cette maison lors de l'accident vous voyez les gens qui se sont sauvés, finalement, ont prévenu à la fois les gens qui étaient dans la maison, parce qu'il y en avait encore, ils ont prévenu aussi Mimi. Les prises des décisions. Mimi essaie de se dire, de, de prévoir les, les contrefeux qu'il va falloir allumer au fur et à mesure dans cette affaire pour étouffer, <coughs> pardon, désolé, pour étouffer le maximum de choses. Mais dans la maison, il y a un homme politique qui ne doit pas être là qui ne doit pas être là et qui veut sauver sa place, qui veut aussi sauver son image de marque, si on peut dire ainsi, qui prévient un petit peu tout le monde et qui prévient aussi le ministère de la Justice ou celui de l'intérieur, un des deux. Au plus haut niveau est prise une décision, une décision pour couvrir. Avec des scénarios possibles en fonction de ce qui va se passer. Ça navigue à Dieu et ça sent la panique. C'est surtout pas le moment, mais tout le monde essaie de serrer les coudes pour que ça ne fasse pas chuter. Cet homme politique, voire d'autres qui essaient d'étouffer l'affaire. Mais comme toujours, il finit par avoir un renversement de situation. Et il y aura ce renversement de situation que l'on voit ici. Alors voilà, c'est une affaire qui est complexe, extrêmement complexe. Extrêmement complexe, parce que cet homme, j'ai peut-être dit le mot ministre, pour moi c'est plus un secrétaire d'État ou quelque chose, peut-être pas le non-ministre. Ça reste un politique de pouvoir. Qui a affaire et qui a un lien avec les plus hautes sphères. Tout est malsain dans cette histoire. Tout est extrêmement malsain et on va s'attendre à de nouveaux rebondissements. N'oubliez pas ce qui a été découvert. Les runes n'ont pas dit la teneur de ce qui a été découvert. C'est vrai, on sait qu'il y a eu des images pédopornographiques qui ont été découvertes. Palman n'était visiblement pas le seul. À profiter de ces images. Voilà, je vous laisse euh, je vous laisse méditer sur ce tirage. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite en attendant une bonne soirée. N'oubliez pas partager la vidéo, abonnez-vous, c'est important pour la survie de la de la euh, de la chaîne. Pour l'instant la chaîne n'est pas trop attaquée j'ai vu qu'une voyante avait commencé à attaquer la chaîne euh, on m'a refait remonter ça bon c'est pas très grave hein. moi ça me gêne pas je vais pas répliquer là dessus euh, en tout cas les amis je soutenez la chaîne euh, par votre présence par vos partages par vos likes c'est important bientôt il y aura des nouveautés dans la reprise communauté je vous ai partagé quelques petites choses jusqu'à maintenant. Certaines vidéos vont muter dans la rubrique communauté. Je vous laisse découvrir cela dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt.